Frédéric. Oui, les invités. Jérémy. Date dit 33. Oh, lundi, ok, ça marche. 1530. Ok, c'est parti. Ok, là, tu es, sans m'en dire plus, tu es avec ton nouveau matériel. Ok, attends, je me recale, salut, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Tu es avec ton nouveau matériel, ne m'en dis pas plus, je suis en train de faire une vidéo, là, depuis le début d'après-midi. Hein. Voilà, ok, voilà. Donc j'amène mon appareil photo vidéo là sur le Hasmet. Et là, vas-y, parle un petit peu parce qu'on en avait discuté l'autre jour. Comme ça, là, tu verras ce que ça donne. Ok, 100%, voilà, il n'y a pas de souci. Et là, voilà, donc je te disais, donc je suis avec le Sommer Camp, là, j'ai acheté 277 euros delta avec le micro de base. Et l'antenne, c'est une antenne verticale de la Stereo Game Master, voilà, donc j'espère que tu me recopies bien actuellement, voilà, retour à toi, allez. Ah ben c'est du 57, hein. Voilà, c'est du 57 et là je suis actuellement en mobile. Alors, attends deux secondes, je suis de... Alors, ça n'a pas de coton. Si, ça y est. Je viens de reposer justement mon appareil photo vidéo là sur son pied. Voilà, comme ça, j'ai les mains libres. Oui, donc là, j'ai déménagé là tout le matériel de QR1 là dans le push. Parce que ce matin, il m'est arrivé un petit souci. Je crois que j'ai dû claquer les PA de la chaudière à mon avis. J'ai dû pousser un petit peu trop. Cet après-midi, j'ai prévu de faire une petite expédition improvisée, comme ça, là, avec le Sommer Camp plus tout le matériel qui est avec. Du coup, ben, j'ai tout avec moi quand même, sauf que c'est le DK que j'ai déménagé dans la voiture. Et côté aérien, eh bien, je suis avec le président Himalaya, installé à 6 mètres de haut dans la remorque, là, qui est accrochée derrière moi, là. Et je suis actuellement sur les hauteurs là, de Sainte-Colombe, face à la mairie, bien dégagé, là, je suis en surplomb là, de Saint-Émilion, de tout ça, quoi. Ok, affirmatif, c'était au même endroit où j'ai fait la dernière fois, avant que tu partes pour Marel. Non, parce que là, je me méfie, vu qu'en ce moment, c'est les vendanges. Alors, l'endroit où je me mets habituellement, c'est vraiment en bord de vigne, mais vraiment à raser au maximum les vignes, en plein chemin. Je me suis dit, je ne vais pas les embêter. J'ai trouvé un autre endroit, un peu plus dans le centre du village. Quand on regarde le centre du village, ça a de quoi faire sourire. On se demande s'il n'y a pas que des ivrognes ici d'ailleurs, parce que là je suis entouré de vignes. Mais bon, bref, je suis face à la mairie, là, à 300-400 mètres de la mairie. Et donc là, carrément sur les hauteurs. Mais bon, ça revient un petit peu au même. Hein. À part, bon, j'ai quelques arbres en plus, mais bon, c'est tout. Ouais. Ok, bien, moi de mon côté, c'est une radio de 4 et s'il y a le 9, voilà, il n'y a pas de souci. La radio, un petit peu, il y a les QRM, bon, Ouais, ben pour la radio, c'est normal. J'ai un petit souci là sur le Yazoo. Faudrait qu'il parte en réparation. Mais vu que là, j'ai plus grand chose pour pousser, on va dire, je me dis qu'avec juste les watts du poste, ça risque d'être un petit peu léger. Que ce soit le Sommer Camp comme le Superstar 3009 là que j'ai aussi avec moi, là, ça risque d'être un petit peu léger. Là. Surtout que je voulais à tout prix faire quelque chose de vraiment sympa avec le Québec et tout. Hélas, la propag nous joue des tours un petit peu aujourd'hui, car ça part un petit peu dans tous les sens. Mais là, j'ai fait de très bons QSO quand même. Hein. Là, la vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer. Je crois que j'en fais plusieurs même. Hein. Là, je fais plusieurs vidéos là en même temps. Tu verras, j'ai fait quelques contacts là, assez intéressants.
Je misais sur le Québec, mais c'est pas grave, j'ai eu autre chose, de très bien aussi, ça a été parfait, ça a été super QRO, des endroits que j'attendais pas spécialement, ça a été vraiment sympa, quoi. Ouais, mais c'est cool, ouais, j'avais la propagande. Et je bafouille. Je vois, ça fait deux jours, hein, on a fait Tahiti, la Guyane aussi, donc tu vois, ça passe très 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 bien, hein, voilà. Beaucoup le Canada, alors le Canada c'est tous les jours, on fait moins... deux fois par jour le Canada, ça passe très très bien. Ça fait plaisir un petit peu que la propagande vienne, voilà, à toi Rémi. Ah bah oui, tu m'étonnes. C'est sûr, oui, moi je demandais pas mieux, quoi. Alors par contre, tu vois, l'inconvénient, c'est que là, si je veux pouvoir repartir, j'ai intérêt à garder le moteur en marche. Donc là, depuis que je suis installé, de toute façon, sur la vidéo, on voit la pendule. Hein. Donc, il y a le suivi de l'heure, là, en direct. Hein. Le seul truc que j'ai pas dit, c'est qu'on est, je sais même plus quel jour on est mardi, je crois. Oui, on doit être mardi 14, voilà, c'est ça. Je m'attendais à faire la même chose qu'hier. Hier, là, j'ai eu pas mal de monde sur le Québec, mobile, fixe, c'était un petit peu partout. J'ai fait également une vidéo que j'ai mis en ligne ce matin. Il y avait une station des Landes en ce moment, qui était en même temps que moi, qui lui aussi a fait une vidéo. À croire que les vidéos, c'est les nouvelles QSL du 21e siècle. Quoique c'est pas mal aussi, après tout, hein. Ouais, enregistrer le break, ouais, affirmatif, là, c'est en train de tourner, là. Là, j'entrecoupe, suivant ce que j'attrape. Donc là, celle qui est en cours actuellement, alors ce qui est chiant sur les appareils photo-vidéo, c'est que t'as un compte à rebours dessus. Donc autrement dit, c'est pas trop évident pour savoir à combien j'en suis, mais bon, peu importe. C'est pas grave. Et là, oui, actuellement, oui, bon, oui, je t'ai prévenu là tout à l'heure. Hein. C'est pour ça que justement, je t'ai demandé de pas trop m'en dire. Et quand je t'ai demandé de parler, là, qu'on voit un petit peu ce que ça donne, tu verras, j'ai amené l'appareil directement là sur le Hersmet. Et c'est une bonne radio 5, un bon 7.7. Là, ça passe vraiment bien. Là, la radio est bien claire, on te comprend bien. C'est mieux qu'avant, en tout cas, même si avant on t'entendait bien, là il y a un plus. Hein. Affirmatif, là c'est sûr que les caméthèques et puis le micro de base, ça y fait beaucoup, mais voilà, au niveau de la qualité radio, voilà. Mais tu m'as dit que le mic, alors je vais te laisser le faire entre le mic. Ok, ben, peut-être qu'il t'entend plus mieux que moi, je sais pas. En avant le break. En avant le break. Il y a un QSO en parallèle derrière. Vas-y Eric, fais rentrer le break parce que je ne sais pas s'il m'entend. Oui, le break en avant. Bon, moi je copie rien de mon côté, mais en avant. Alors tu dis qu'il y a break en avant. Bon, visiblement, attendre quelques secondes, ça a été un petit peu trop pour lui. Bon, c'est pas grave. Et dans les lointains, j'entends un QSO en parallèle. Hein. Faut dire aussi que là où je suis, j'attrape tout. Hein. Va falloir que je dise à mon YK, je lui dire voilà, c'est là que je veux que la maison soit. Voilà, tu te débrouilles comme tu veux, mais la maison, je veux qu'elle soit ici. Va falloir que tu déplaces tout, oui. Si, c'est pas évident. Bon, t'as des nouvelles de Pascal? Ah ben oui, je l'avais tout à l'heure au 600. Voilà, juste avant que je commence mais quand je suis arrivé là où je suis, j'étais au 600 avec lui. Le temps de sortir le matériel, le téléphone, enfin il a eu un appel derrière lui. Enfin, il a eu un autre appel. Et du coup là, bon, là, il a dû passer à autre chose là maintenant, mais tout va bien, il n'y a pas de problème. Bon, ben, ok, c'est parfait. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas... J'étais sur le site des hommes du routier, il va falloir, parce que j'avais quelques occupations. Mais de toute façon, j'allais voir cette vidéo, ce que ça donne. Ouais, il n'y a pas de problème. Tu as peut-être le lien direct vers ma chaîne YouTube, je sais pas. Enfin bon, de toute façon,
Les vidéos, je les mets sur mes blogs, je les mets sur les ondes du routier, je les mets sur le groupe Facebook Division 14DR, puisqu'il y a quelque temps de ça, on a créé une extension justement du forum sur Facebook, car là, il manquait quelque chose, bon ben voilà, on l'a fait. On a un autre projet en tête, dont je ne peux pas te parler pour le maintenant, là maintenant. Tu découvriras ça le jour où, mais c'est en cours. On a également un site qu'on a ouvert. D'ailleurs, tu verras, j'ai l'ordinateur avec moi qui bascule sans arrêt du site. Attends, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Voilà, ça y est. J'ai l'ordinateur qui bascule sans arrêt là, du forum au site. Là, tu verras ça également sur la vidéo. Là, on a plein de trucs en cours. Donc, c'est bon, il y a des projets, c'est bien, c'est ce qu'il faut, voilà, il n'y a pas de problème. Oui, oui. Et là, tu restes là toute l'après-midi, là, tu es là? Ça risque de me coûter cher en carburant. Quoique, il y en a qui prennent un groupe pour faire la même chose. Mais bon, la consommation sur un groupe, ça ne doit pas être mal non plus. Surtout que j'en ai un groupe. Hein. C'est un groupe qui fait 100 kilos. C'est un 7-8 kWh. Je pense que là, côté consommation, ça ne doit pas être trop mal non plus. Le problème, c'est pour le charger dans la remorque, 100 kilos, ça fait quand même son poids, quoi. Voilà, sur la tête, il n'est pas trop bruyant, c'est vrai. Parce qu'il y en a certains où merci. Il les entend à 200 mètres. Exactement, il est justement dans cette catégorie-là, quoi. C'est vraiment le gros truc, tu branches une maison dessus, quoi. Voilà. Mais Pascal, au téléphone tout à l'heure, m'a donné une astuce, voir si sur l'échappement, sur la sortie d'échappement, je pourrais pas y mettre un tube ou un silencieux, quelque chose qui pourrait me l'insonoriser. Mais ça va pas être évident parce que, vu comment c'est foutu, là, ça promet d'être short. Il faut que je travaille la question. Passer une collerette derrière pour essayer d'attraper un sandwich. Il y a une idée à mûrir là, quelque part par là, quoi. Ok, il n'y a pas de souci, mais oui, de toute façon, toutes les idées sont bonnes, mais il faudrait que tu demandes un peu à droite à gauche pour que les gens te donnent des tuyaux, c'est le cas de dire, la fille. Oui, surtout que là, avec Pascal, on a vu une photo de quelqu'un, justement sur Facebook, avec un pick-up, une remorque double essieu, et dessus il a monté une directive sur la remorque avec un pylône télescopique, et il a également un groupe d'accrocher dessus. Alors le groupe il est encore plus gros, hein. Et on voit un espèce de tuyau d'échappement de camion, on dirait, ou peut-être pas à ce point-là, au moins de voiture, parce que vraiment le truc il est énorme. Et entre le pylône télescopique et le groupe qui est posé carrément au cul de la remorque, il a mis une espèce de grosse plaque. Alors la plaque a peut-être une utilisation thermique, mais certainement phonique aussi, hein. Ok, alors pour la vidéo, donc là je suis en compagnie de Eric, 14 Victor Echo 27, Bordeaux Sud. Voilà, donc les bandes 73-51 à toi, de la part de Rémi, 14 Oscar Delta Romeo 002 en mobile mode expédition sur les hauteurs de Sainte-Colombe, pas très loin de Saint-Émilion, autrement dit Gironde plein Est. Voilà, merci pour ce petit QSO, bye bye, à la prochaine. Ok, merci, bye bye, bonne continuation, ciao. Merci, bye bye, ciao.
Oui, le break, les 2351 à vous de la part de Rémi, 14 Oscar Delta Romeo 002, en mobile mode expédition. Je dis ça parce que là, bon, c'est carrément la station, une station fixe de déménager là dans le push. Et avec une installation à 6 mètres d'antenne, à 6 mètres de haut dans la remorque. Alors, en avant. Ah, je vous entends tout petit, là, c'est du Saint-Ego 1 de mon côté. Pouvez-vous revenir, s'il vous plaît? J'ai une balise qui est passée en même temps. Ah, c'est short, hein. Je sais pas comment vous m'entendez, mais là, c'est vraiment short, hein. Là, je vais monter un petit peu plus le volume. Donc, si vous avez du mal à m'entendre, je vous répète mon indicatif, prénom et la station. Ouais, je suis 14 Oscar Delta Romeo 002, opérateur Rémi. Vous pouvez nous retrouver sur le forum Les Ondes du Routier, voilà, sur internet, Google, les Ondes du Routier, à moins que vous y soyez déjà, Hachi. Et pour les conditions de trafic, si un Yazoo FT450AT avec une antenne Président Himalaya de mise à 6 mètres de haut, installée dans une remorque, voilà, qui elle est accrochée derrière la voiture. Et je suis actuellement sur les hauteurs de Sainte-Colombe, entre Saint-Émilion et Castillon-la-Bataille. Ok, d'accord, voilà, j'ai réussi à améliorer un petit peu les conditions de mon côté. Voilà, j'ai mis un petit coup de tarifier. Voilà, là, je vous reçois suffisamment bien tant qu'il n'y a pas de balise. Ok, quel est votre QTH et vos conditions de trafic? Attends, si j'ai bien compris, Saint-Loubès, c'est ça? Ah, j'ai énormément de mal, hein. J'ai énormément de difficultés là de vous sortir là de mon côté. Hein. Oui, c'est pas grave. Vous étiez avec l'opérateur Eric, c'est ça? Oui, affirmatif. J'étais avec 14 Victor Echo Eric, que je connais bien. On a déjà fait un visio ensemble. Et on est tous les deux sur le même forum, là, les Ondes du Routier. D'accord, bon, ça a réussi à passer, hein. Là, bon, ça a été une radio de 3-4, Santiago 1. Mais bon, là, c'est bon, j'ai réussi à vous entendre correctement. D'accord, ok. Je suppose que ça fait pas longtemps que vous avez repris la module. Ah la vache, sur la fin, il y a un QRM qui est passé. Là, c'est vraiment pas évident du tout. Eh bien, puisque vous êtes de retour en fréquence, eh bien, bon retour et content de vous compter parmi nous, là, sur le Sud-Ouest. Ok, merci pour ce petit contact, les 2351 à vous, bonne continuité de QSO, il doit y avoir le Québec, là, qui est pas loin. Hier, ils arrivaient très très fort, très très fort. Aujourd'hui, on se prend en même temps de la propagande des pays de l'Est. Enfin bon, c'est pas grave, c'est les aléas des ondes. Hein. Ok, merci pour ce petit contact. Et bonne soirée 1351 à vous de la part de Rémi, 14 Oscar Delta Romeo 002. Et à la prochaine sur les ondes. Aïe, aïe,
aïe, aïe. J'ai entendu Bordeaux. Bordeaux, j'ai pas compris. Est-ce qu'il m'arrive de descendre sur Bordeaux? Si c'est bien ça la question, oui, affirmatif, puisque je travaille sur Bordeaux. Voilà, là, je suis en repos, là, aujourd'hui. Et mon QRZ local, vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est Dundee 33. Voilà, pour s'en souvenir, c'est facile. Vous pensez à Crocodile Dundee, sauf que vous jetez le croco, on n'en a pas besoin. Vous mettez 33 à la place. Et donc, Dundee 33, voilà, pour un local. Ok, là, ok, là c'est très bien passé. Là c'est très bien passé. Oui, affirmatif. Radio 33 à Cestas Gazinet. Voilà, Radio 33 sur internet, il est facile à trouver. Et il y a leur adresse. Par contre, attention aux horaires, c'est des horaires qui sont relativement courts hein, quand même. Hein. Et le week-end, je crois, de mémoire, ils sont fermés. Radio 33, donc c'est du côté de Cestas, Canéjean, ou enfin dans ces coins-là. Leur adresse est sur internet. Ils me connaissent en plus. Vous lui parlez, vous leur demandez s'ils connaissent l'homme au chapeau d'Andy 33. Voilà, vous verrez Hachi. Et on fait les salons, on fait le salon radio de Marraine ensemble. On y était l'année dernière, on y était là cet été. Voilà. Donc il n'y a aucun problème, la Radio 33, vous trouverez du coax, vous trouverez les PL, vous trouverez tout ça. Pour les postes CBI, ça dépend du sens du vent, il en a eu, j'en ai vu en vitrine, du très bon même. Après je pense que c'est peut-être par période, je sais pas trop, mais bon, de toute façon la CBI c'est pas leur priorité, donc c'est pas un problème. Mais pour le coax, il n'y a aucun souci, hein. Radio 33, vous trouverez ça. Hein. Je pense qu'il est parti. Eric, est-ce que tu es toujours dans les parages? Non, il est parti. Hein. Voilà, il m'a envoyé les 73 à tout à l'heure. Là, il est parti. Il m'a dit qu'il avait du bricolage à faire là chez lui. Hein. Ok Thierry, il n'y a pas de problème. Eh bien je lui ferai le QSP, je lui dirai que la station qui briquait, mais en fin de compte c'est quelqu'un que tu connais. Ton Jackson, il a atterri dans ses mains, quoi. Je lui dirai Hachi. Bon, ok. Bon, allez, c'est Malgré, et donc, ok d'accord, les 73-51, merci pour ce petit contact, à la prochaine. Oui, il m'a semblé entendre un break derrière, les modes 73-51 de 14 Oscar Delta Romeo 002, opérateur Rémi, en mobile sur le secteur de Saint-Émilion. Oui Mario, les modes 73-51 à vous, de la part de 14 Oscar Delta Romeo 002, opérateur Rémi, en mobile type expédition on va dire. Voilà, je suis avec un Yazoo FT450 AT, et côté aérien, j'ai une antenne, une Président Himalaya, qui est monté à 6 mètres de haut, installé dans une remorque qui, elle, est accrochée derrière la voiture. Oui, ok, Denis, bien copié. Tu es de ton QTA, c'est du côté de 5 millions, c'est ça? Oui, je suis à peu près à 12 km à l'est de Saint-Émilion. Voilà, je suis très exactement à Sainte-Colombe. Bon, là, je pense pas que vous connaissez. Castillon-la-Bataille, peut-être que vous connaissez éventuellement avec la célèbre bataille de Castillon qui a lieu tous les étés. Et donc là, je suis entre les deux, là, pas très loin de Saint-Émilion. Oui, ok,
Ok, Denis, Michel opérateur Mario. Moi je suis côté Bordeaux, pas tout à fait, je suis 10 km au sud. Bon, mais on a. Ça passe très bien pour vous, hein. Dans mon ville là, je vous vois très bien là sur mon antenne Scooby-Doo là. Je suis avec une antenne Scooby-Doo. Il y a un tel bien mouchon dans les arbres et je crois que il y a 4 watts modulés à l'antenne, voilà. Pour les conditions de trafic, donc c'est un petit peu des gens qui est pas Jackson. Et donc j'emploie 4 watts modulés, je vais dire l'appareil que c'est. 4 watts? Eh bien, vous m'arrivez avec une radio de 5 et Santiago 3. C'est fabuleux, ça. Il marche très bien. Hein. Et là, je suis actuellement en train de faire une vidéo, car voilà, je vais rapprocher là, un peu du Hertzmet. Hein, parce que là, quand même, vu où vous êtes, 4 watts, ça passe bien. Hein. Il marche bien, votre poste. Hein.